Yon l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec équipe Bombard TV depuis Bombard Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Jodi nous allons développer deux points pour une information. Mais avant de faire ça, équipe Bombard TV a voulu remercier tout le monde qui toujours branché Bombard TV pour information pays. Et un gros remerciement avec ça. Toujours qui ton commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici, dans Bombard Police, équipe Bombard TV a nous apprécié ça. Et si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser ou n'oubliez pas abonner avec Bombard TV et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Bombard TV. Eh bien, nous pas perdre de temps, nous allons dérouler avec information. Yo, on ouais. République Chine Taïwan fait un don 180 000 masques par l'État haïtien pour distribuer par la population pour permettre de protéger la tête contre la maladie. Et l'autre information nous gagne pour responsable service bien-être police nationale d'Haïti, recevoir par an avec madame policier qui victime dans cadre exercice fonction. Yo. Si information ça nous gagne pour nous pas perdre de temps, n'a pas commencé coulier. Dans un contexte où le gouvernement taïwanais s'engage à accompagner le gouvernement haïtien dans ses efforts pour lutter contre la pandémie du COVID-19, je me sens particulièrement rassuré avec l'arrivage de ces masques, de voir se concrétiser la promesse de l'action humanitaire taïwanaise constituée de 280 000 masques, 7 caméras thermiques et de thermomètres frontaux. Monsieur le directeur général, ces masques susmentionnés ont été confectionnés à Taïwan avec un contrôle de qualité rigoureux et sont de la même qualité que ceux utilisés par le personnel soignant et la population à Taïwan. Dans un contexte où la vente des masques à chaque citoyen et résident à Taïwan est toujours rationnée à raison de 9 masques par personne tous les 2 semaines. Ce don au gouvernement haïtien symbolise la grande amitié et le lien fort existant entre les deux pays dans une période aussi difficile. Je voudrais ainsi, monsieur le directeur général, vous demandez à ce que le ministre soit notre porte-parole au sein du gouvernement afin de traduire notre esprit de solidarité aux plus hautes autorités de votre pays et à la population haïtienne. Je voudrais aussi saisir cette occasion qui m'est offerte aujourd'hui pour informer le public qu'un certain nombre de projets bilatéraux actuellement en cours accompagnent déjà les efforts du gouvernement haïtien dans la lutte contre la pandémie. Sur le plan social, Taïwan contribue financièrement au projet COREPEP et une première cargaison de 1000 tonnes de riz taïwanais destiné au FAES et arrivé le 6 avril courant. Et avec 1000 tonnes supplémentaires prévues pour le 20 avril. Et sur le plan de la santé publique, Taïwan finance l'achat de nombreuses ambulances au profit du Centre ambulancier national et la formation du personnel soignant dans le traitement du COVID-19. De surcroît, une vidéoconférence entre les hôpitaux des deux pays est en phase de préparation de concert avec le MSPP afin de partager les bonnes pratiques de lutte contre le COVID-19. Et une enveloppe financière également a été allouée au MSPP pour l'achat de matières de première nécessité.
Au nom de la ministre de la Santé publique et de la Population, le docteur Marie Gretawa Clément, c'est avec plaisir que nous recevons aujourd'hui les 180 000 cachenés que l'ambassade de Taïwan a bien voulu offrir non seulement au ministère de la Santé publique, mais à la population tout entière dans sa lutte, dans notre lutte contre le COVID-19. Ce geste est très particulier dans le sens où il symbolise, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'amitié et la collaboration, la coopération de Taïwan vis-à-vis d'Haïti dans le cadre de cette lutte. Donc c'est avec plaisir que nous recevons ce matériel. Il sera très certainement utilisé de façon efficiente. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il existe 9 cachenés par personne ou à Taïwan, c'est ça? 9 cachenés par personne. Donc nous allons donc le faire cette distribution de façon efficiente pour que quand même le pays puisse, ceci dans le cadre du plan de réponse que nous avons, que nous puissions quand même faire face à cette pandémie-là. Donc merci encore et nous espérons que cette collaboration va continuer et vive la collaboration avec nous. En Haïti, nous disons, c'est, comme l'a dit tout à l'heure M. Cantor, c'est dans les moments difficiles que nous reconnaissons les vrais amis. Et c'est vrai que Taïwan a toujours été un pays qui a été proche d'Haïti dans les moments difficiles. Et aujourd'hui encore, c'est important pour nous de comprendre que dans ces moments difficiles où tous les pays sont touchés, et Taïwan aussi est touché, même si Taïwan a fait des efforts extraordinaires pour contrer le COVID-19, et que Taïwan a su quand même trouver de ses réserves pour aider à un autre pays frère. Je veux que vous sachiez, monsieur chargé d'affaires, que ce geste vaut beaucoup pour nous. Et ça, je le dis sincèrement. Ça a beaucoup d'explications pour nous en Haïti. Et je vous remercie non seulement au nom du ministre des Affaires étrangères, le docteur Claude Joseph, mais aussi au nom des Haïtiens tout entiers. Et comme le président l'a dit, et nous l'avons notifié à l'ambassade de Taïwan, ces cachenets vont essentiellement être distribués dans les sections communales, dans les marchés, c'est-à-dire ce sont les plus faibles de la population qui vont les utiliser. Donc, transmettez nos remerciements et nos liens d'amitié au peuple taïwanais, à la présidente et bien sûr à votre staff. Je sais qu'il y a beaucoup travaillé pour que nous puissions avoir ce lot. Mais comme vous l'avez dit, c'est qu'un lot et il y a d'autres qui vont venir. Et déjà, nos remerciements anticipés. J'aimerais terminer pour mettre l'accent sur l'importance de ces cachenets, c'est depuis quelque temps, partout dans le monde, on essaie pour prévenir la maladie d'inviter les gens à respecter la distance physique ou la distanciation sociale, à se laver les mains, mais on se rend compte aussi que beaucoup de pays, particulièrement le Taïwan a su contrer la maladie en utilisant systématiquement des cachets. Donc cela veut dire que ce geste a plusieurs significations pour nous, au ministère des Affaires étrangères et en Haïti. J'aimerais dire aussi que les boîtes qui sont là ne sont qu'une partie, parce qu'il y a déjà un lot qui a été transporté au ministère de la Santé publique et de la Population. Et demain, les agences du ministère, ces cachenets ne sont pas destinés au ministère des Affaires étrangères. Demain, les agences du ministère de la Santé publique vont récupérer le reste et comme je l'ai dit, ils seront distribués dans les sections communales, particulièrement dans les marchés.
Donc, je vous remercie au nom du ministre des Affaires étrangères, au nom de l'ensemble du gouvernement. Et c'est un geste très fort pour nous. Et nous-mêmes, Haïti, à chaque fois que nous aurons l'occasion, nous ne manquerons pas d'insister sur l'amitié haïtienne et taïwanaise et sur ces gestes qui sont importants parce que ça va vraiment nous permettre de sauver des vies, au moins de contrer la progression du COVID-19 en Haïti. Dans le cadre de ça, ou bien volonté ça, les créer un service qui est le service du bien-être au niveau de la police nationale d'Haïti. Service bien-être, là, qui mission qu'il gagne, c'est assurer la promotion socio-économique et les bonnes conditions de travail au profit des personnels de la police, et cela sur toute l'étendue du territoire national. Donc, à 8 mois presque de commandement directeur général, l'inspecteur général Normile Rameau, les désigner nous, c'est vrai que dans le temps, nous étions à l'hôpital, visiter malades, aller en prison, et directeur général désigner nous pour nous diriger service ça, qui est service du bien-être au niveau de la police. Dans le cadre attribution, nous devons définir et puis mettre en œuvre tout plan d'action directeur général là, qui concourir au bien-être du personnel de la police. Faut que nous exécuter pour tout programme, tout projet d'amélioration continue des conditions de travail des personnels policiers. Mais tout nous gagner comme attribution pour nous faire recommandation à directeur général là, sous toute fait, mesure ou bien disposition institutionnelle qui a porté atteinte à la morale policière. Qui t'aime pour exemple, matin, moi j'ai un inspecteur qui relève, qui parle à Kim de grade que promotion n'a pas joint alors que l'autre promotion joint grade. Alors que en fait, qui sa situation est, c'est juste l'aide qu'il ne peut pas recevoir. Donc, nous-mêmes, dans le cadre de ça, nous avons travaillé pour nous faire. Ensuite, nous gagnons pour nous administrer les œuvres policières, par exemple, logements sociaux, cafétéria, centre d'hébergement et de conférence, club des agents, club des officiers ou bien club des commissaires. Faut que nous gérer et animer les sites de loisirs et récréatifs appartenant à la PNH. Autant de attributions que directeur général, l'inspecteur général Normile Rameau Libanon. Et c'est ça qui fait. Dans le site Sayo, que le directeur général a ouvert non seulement à Port-au-Prince, mais dans les villes de province, c'est-à-dire dans les centres départementaux, c'est policiers qui ont mobilité réduite qui viennent pour travailler là-dedans. Et éventuellement aussi, famille de policiers, ça m'a parlé de ascendants ou bien descendants policiers qui décédés. Donc, effort ça, c'est un effort qui est large et son effort continu. Maintenant, disons que implantation, bien implémentation et projet ça, ou qu'on est dans une situation difficile que nous vivons là, l'a fait pas à pas. Mais il commence, puisque nous sommes là et nous accompagnés de commissaire principal Spadi Dominique Voltaire et de commissaire municipal Bijou Elsemet, qui est responsable services médico-social. Comme nous faisons déjà dans le commissariat Delma, commissariat Tabar, Delma, Tabar et tant d'autres commissariats nous allons faire pour nous rencontrer et ayant droit. D'abord, c'est rencontrer les gens qui ayant droit, c'est les gens qui ont un parent policier qui mourit, qui décède dans une situation quelconque. Donc, nous devons parler à les gens pour nous dire et que la police a fait un recommandement. Le directeur général en particulier et tout le recommandement avec vous, nous pensons avec vous, nous venons joindre pour nous parler avec vous, pour nous dire, nous toujours pensons avec vous, nous connaissons les gens qui sont dans l'institution important. Et pour nous dire que nous avons fait effort pour un cadre de programme qui était gagné, ancien programme qui était gagné sous l'ancien directeur général là, et pour que en subvention, nous avons toujours fait. Donc,
Nous venons là, nous faisons un geste avec eux qui est symbolique, un kit alimentaire, mais nous parlons avec eux d'abord, nous rencontrons eux. Et dans le deuxième temps, nous disons que préparation pour chèque, subvention, le compte baroua, les noms et en cours, du moment qu'il est prêt, nous avons lit. Mais il y a un autre aspect dans la visite, nous profitons tout, dans tout le commissariat de sortie de là, parler à l'ouest. Policiers qui handicapés yo policiers nous relé qui à mobilité réduite dans la caillou nous parler avec yo nous faire geste avec yo nous baro kit alimentaire nous faut parler avec yo donc nous disons que la police a pensé avec yo nous font bande dans l'institution qui a servi mais le moment est venu pour qu'on y a là pour nous retourner yo même si yo pas ka vraiment fonctionner de façon normale mais nous vinn joindre yo et c'est ça que nous allons répondre dans la police. Là, particulièrement, j'ai un objectif que le directeur général a demandé pour nous travailler sur lui, pour nous atteindre, c'est être très proche des policiers. Particulièrement les policiers en difficulté, soit pour question de maladie, soit policiers qui ont un handicap quelconque, soit policiers qui mourent. Et c'est ça que fait nous-mêmes. Là, nous venons dans le service médico-social, nous dit que faut dynamiser le service-là. Pour dynamiser, pour nous permettre que le service-là montre que ça le fait, livrer plus proche pour les policiers connaissent qui sa service médico-social a fait. Et deuxième objectif, nous dit, nous avons le directeur général là, et tout le gouvernement par nous, c'est pour nous, à travers cette structure, que le service médico-social, nous créer, nous projeter une meilleure image de l'institution. Et enfin, ça qui est extrêmement important dans le dernier objectif là, c'est pour nous, mais pour nous mettre en pile en phase, en pile célérité dans la procédure pour les policiers qui ont besoin de service. Par exemple, un policier qui est malade, un policier qui a des problèmes pour voyager, pour aller prendre soin à l'étranger, un policier qui a mouru, nous faisons ça de façon rapide en termes d'administration pour permettre que les policiers trouvent le service. Il y a une ressource phare qui est personnel humain, policier. C'est-à-dire que la mettre toute politique sous place pour qu'on connaisse l'important dans la mission d'affaires. Donc, nous sommes bien contents de recevoir. Et délégation ça qui a dirigé politique par le biais de eux-mêmes qui a dirigé politique direction générale ça va commandant en chef police nationale là, directeur Rameau et que nous recevons ici hein, pour te recevoir en droit et en même temps tout y a pour recevoir échantillon et personnel policier qui travaille ici hein. Donc pour expliquer que mais tout est mis en place stratégie a fait que pour cas faire sentir comme une importante institution et très important donc désormais ça te gain doute ça comme si sur réseau ça que on ne pas bien comprendre pendant ce temps il y a travail pour eux et que confusion ça et pas gain donc et bah difficile mais il a mettre tout mis en place pour connaître que important on parler pour juridiction Pétionville là dit sous commissariat dépend de Pétionville de commissariat central là les gros effectifs bien déterminés. Mais moi-même pour juridiction, et grâce à Dieu, nous n'avons pas encore enregistré des décédés et par balle. Mais oui, nous avons des blessés par balle. Par contre. Mais dans la juridiction, nous avons inférieur à 3. Nous avons mis inférieur à 4 des morts. Et blessé par balle qui c'est policier. Mais il n'y a pas de travail dans la juridiction, il y a une connexité habitée. Et récemment, il y a une en 95. Donc, inférieur à 4, ça me garde. Je ne vais pas dire 2, mais inférieur à 4. Pendant 11 mois de fonction, je ne vais pas pays à son pays, a problème, problème à traverser toute institution. Donc, il dit que la police nationale n'a pas exact de tout problème pays. Mais ça qu'on fait plus mal, c'est que c'est les deux fois que l'institution a pensé à un problème, même on ne connaît pas.
pour qu'on vienne vivre réaction. C'est réalité. Et encore, en tant que institution, nous-mêmes, nous l'avons fait, nous croyons dans nous. Bon, si nous connaissons la nous, si nous venions, bon, nous c'est une monde qui pas capoter confiance. Qu'on n'y a pas capoter confiance, c'est un genre de problème qui connaît exister que faut souvent même dirigeant qu'on a travaillé qu'on pas connaît. Et mais qu'on y a là, commission ça là, l'île pour la théorie, politique, direction générale, stratégie pour connaître que y a important, y a pas ces problèmes, y a pas analysé, y a solutionné. Donc que monsieur ça va atterri vouloir direction générale là, et ça directeur général là veut que qu'on y a la pour policier qu'on est que li là mais qui gens mais qui côté pour adresser problème nous et en droit ça qu'a fait sur radio obligé dans réseau menti cap ba donc qu'on y a un côté pour adresser qu'on y a côté ça lui même activer mettez toute dynamique yo à terre pour yo ca ba policier solution et que pour moi nous porter confiance avec mon capitaine yo et pas nous qui a mis nous dans une situation de confort et puis donc c'est à dire que nous saluons ça et que les policiers ont désormais adressé problème avec supérieur immédiat moi-même connais bien pour devoir pour m'adresser dans l'échelon qui est plus haut lui-même à travers la commission lui-même pour la marcher sur problème ou elle devant et en droit et elle sous policier mais ça va dire que tout pas été résolu et qu'elle la manne un miracle mais l'essentiel c'est que nous là que au travail que nous mêmes nous devons connaître que pour moi même qui est avec une bien en bas et que moi même tout le monde le monsieur ça au mon parole pour aller descendre en bas pour me dire ah l'autant de problème dans la rue et yo cap devant avant tout le monde et ben même j'ai devant un problème dans avant tout le monde dans tout direction générale l'a fait connaître que yo penser avec eux c'est ça qui est important si on parler pour coronavirus même j'ai direction générale là quoi à partir de police communautaire ou bien dans grande délégation ça le mettre sous résolution mairie en tout comme comme dans radio qui très impliqué premier citoyen ville dans te bail le ton et que nous même police nationale nous accorder là avec loi de gain ça ou qu'on est déjà ou tenant confiance en ensemble de dispositions que y a PC à appliquer. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là. Et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée, si c'est matin, bon matinée. Oups!